Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? On peut commencer. Alors, pour ce cours, on va faire la spectroscopie d'absorption et d'émission atomique. Donc, vous m'arrêtez s'il y a un problème, si vous ne m'entendez pas, si vous avez une question. D'accord? Alors, la spectroscopie d'absorption et d'émission atomique. Donc, je dis jusque-là, normalement, tout ce qui est spectroscopie, il est visible, et tout ce qui est spectroscopie infrarouge. L'infrarouge, je dis aussi la Raman. Donc, alors, entre les méthodes spectrales, on distingue les spectres de bande et les spectres de ray. En fait, on distingue deux types de méthodes, des méthodes spectrales moléculaires et des méthodes spectrales atomiques. Moléculaire, manaha, elle s'intéresse à des molécules. Atomique, manaha, elle s'intéresse à des atomes, tout simplement. Elle dit la différence. Alors, les spectres moléculaires sont appelés des spectres de bande. On les retrouve les méthodes spectroscopiques UV visibles ou la spectroscopie infrarouge. Tout ce qui est spectroscopie atomique, ce sont des spectres de ray. On est donc la différence entre spectre de bande et spectre de ray. Je vais vous montrer la différence. Donc, les spectres de ray, ce sont la spectroscopie d'absorption atomique et la spectroscopie d'émission de flamme. Donc, c'est une raoul comme autrement. L'UV visible ou l'infrarouge s'intéresse à des molécules. D'accord? Tout ce qui est SAA et SEA, spectroscopie d'émission atomique ou la d'émission de flamme, c'est la même chose. Donc, Kingul SAA, SEA, c'est la spectroscopie atomique. Maintenant, on s'intéresse à des atomes isolés. L'objectif à le court terme, c'est étudier les atomes isolés. Donc, quelle est la différence entre un spectre de bande et un spectre de ray? Vous avez un schéma. Comme à gauche, les spectres de ray d'absorption. Vous avez à droite, spectre de bande d'absorption. Alors, spectre de ray d'absorption. Exemple, le spectre d'absorption du sodium, par exemple le sodium, il absorbe à une seule longueur d'onde. Si je prends un atome de sodium, je l'expose à un rayonnement. Donc, il va absorber le rayonnement radical. Il va absorber une quantité d'énergie. La quantité d'énergie absorbée, elle correspond à une certaine longueur d'onde. Pour le sodium, c'est normalement 589 nanomètres. Donc, la longueur d'onde d'absorption du sodium, c'est 589 nanomètres. À cette longueur d'onde-là, vous avez ce qu'on appelle une raie. Hari à la raie. Elle est noire. Elle est noire parce qu'il y a eu absorbance de la lumière. Le berkane s'est coloré parce que là, il n'y a eu aucune absorption. Si je prends par exemple l'atome de mercure, il a plusieurs longueurs d'onde d'absorption. Une dans le bleu, deux dans le bleu, une dans le jaune, l'orange, une dans le rouge, on va dire. Donc, il a cinq raies d'absorption, c'est-à-dire qu'il absorbe à cinq longueurs d'onde différentes. OK? Hédum, c'est des spectres de raies. Donc, Kimagona, le spectre de raies correspond à un atome, un seul atome. Si maintenant je prends le spectre de bande, il goûte que le spectre de bande, c'est l'absorption moléculaire, c'est-à-dire c'est l'absorption d'une molécule entière. Vous avez ici l'exemple spectre de bande du permanganate de potassium. Permanganate de potassium se compose de potassium, de manganèse et de quatre molécules d'oxygène. Alors, vous aurez l'absorption par le potassium, l'absorption par la manganèse et l'absorption par l'oxygène. Donc, vous aurez plusieurs raies superposées. Lorsqu'elles sont cumulées, on ne parle plus de spectre de raies, on parle de spectre de bande. C'est la partie noire, c'est une bande. Mais en fait, elle se compose de plusieurs raies superposées. C'est ça la différence entre spectre de bande et spectre de raies. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie atomique, c'est-à-dire les spectres de raies. Alors, les objectifs du cours, c'est connaître le principe de la spectroscopie d'absorption atomique et de la spectroscopie d'émission de flamme. On va voir, pour commencer, le principe. Ensuite, on va voir les différents composants de l'appareillage et par la suite, les applications. Tout simplement.
L'intérêt de la spectroscopie d'absorption atomique, c'est le dosage d'un ou de plusieurs éléments prédéfinis, métaux ou non métaux, choisis dans une liste. 70, qui résout le tableau périodique, fait beaucoup d'éléments. Seuls 70 éléments, pareil, 70 éléments, peuvent être dosés par ou analysés par spectroscopie atomique d'absorption ou la démission. Les autres éléments ne peuvent pas être étudiés par SAA, SEA. Donc, les éléments étudiés peuvent être des éléments métalliques et des éléments non métalliques. Ça peut être les deux. Alors, la méthode Hadia, elle est très sensible. La sensibilité d'AHA, elle est inférieure au milligramme par litre. Donc, pour de petites quantités, pour des concentrations inférieures à 1 mg par litre, on peut procéder au dosage des éléments. En général, par exemple, ils peuvent rechercher les cations métalliques, les métaux lourds, par exemple, dans les eaux de poisson. C'est possible par SAA, SEA. Donc, l'appareillage, il permet le dosage par les deux méthodes. Ce même appareillage permet le dosage par SAA ou la par SEA, qui mène à Bena. D'accord? Alors, la SAA, SEA, le principe d'AHA, il est basé sur une expérience. C'est l'expérience de Kirchhoff. Kirchhoff, l'expérience terre, a tout un renversement de Ré. On va voir pourquoi. Donc, vous avez trois dispositifs. Le dispositif 1, le 2 et le 3. Donc, vous avez trois dispositifs. Le premier dispositif, c'est le plus simple. Vous avez une source d'énergie, une lampe. Vous avez une fente et un collimateur. Plus un système dispersif. En général, c'est un prisme et l'objectif. L'HNAIA, vous avez la projection des spectres sur un écran. Donc, la source lumineuse va produire une lumière blanche qui va être concentrée grâce au collimateur et à la fente, grâce à la fente et au collimateur. Et ensuite, le prisme va permettre de fragmenter la lumière blanche en plusieurs parties. Donc, c'est la lumière blanche qui se partage les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, bleu, rouge, etc., vert, etc. Donc, le tout sera projeté sur un écran. Donc, on va avoir ce qu'on appelle le spectre continu de la lumière blanche. D'accord? Hadi, c'est l'expérience de base. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller direct la 3, l'expérience numéro 3. L'HNAIA, on va ajouter entre la lampe et la fente, on va ajouter une flamme. Une flamme va permettre de produire des éléments atomiques. C'est-à-dire que j'ai une flamme sur laquelle je vais projeter l'échantillon d'air qui contient des atomes. Donc, à quoi sert la flamme? À chauffer les atomes et donc à produire ce qu'on appelle une vapeur atomique. D'accord? Donc, la vapeur atomique, elle va absorber l'énergie produite par la lampe. Donc, les atomes produits lors de la projection sur la flamme vont absorber une quantité d'énergie produite par la lampe. Donc, l'énergie absorbée va faire quoi? Elle va exciter les électrons de l'atome. Donc, les électrons vont passer de l'état fondamental à l'état excité. Donc, et ils vont absorber une petite quantité d'énergie. On va produire ce qu'on appelle des raies. Donc, ce sont des raies sombres. Les raies sombres correspondent à l'absorption. Donc, ce que vous allez avoir, vous allez avoir un fond coloré et quelques coupures, quelques hachures noires, comme les raies d'absorption du sodium. D'accord? C'est l'absorption atomique. L'émission de flamme. Donc, vous allez produire, toujours, vous avez votre flamme sur laquelle vous avez projeté vos atomes qui vont se transformer en nuages atomiques. La lampe, elle est éteinte parce que là, je ne leur donne pas de l'énergie. Je cherche à ce que les atomes, ils produisent de l'énergie. Donc, l'énergie, elle est apportée initialement par la flamme. Les atomes vont absorber l'énergie, une petite quantité d'énergie, et c'est lors du retour à l'état fondamental que on va procéder à l'analyse. Donc, les électrons absorbent l'énergie. Après excitation, ils reviennent à l'état fondamental. Le retour à l'état fondamental s'accompagne d'une émission d'énergie. Donc, c'est ce qu'on va étudier. Donc, vous allez avoir toujours un spectre de raies. Mais là, vous avez un fond noir et des raies colorées, des raies lumineuses. C'est l'émission due au retour à l'état fondamental des électrons du sodium. C'est l'émission de flamme.
Donc, je vous montre la différence entre un spectre d'absorption et un spectre d'émission. Alors, le spectre d'absorption, c'est le deuxième spectre d'absorption. C'est une raie noire sur un fond coloré, c'est-à-dire qu'il y a eu absorption d'une quantité d'énergie émise par la lampe. Le spectre d'émission, hawa, c'est le retour à l'état fondamental qui s'accompagne d'émission d'énergie. Donc, vous allez avoir un fond noir et une raie lumineuse qui correspond à au retour à l'état fondamental, au spectre d'émission. Donc, tchoufou, l'absorption et l'émission se font à une même longueur d'onde, parce que l'énergie absorbée, c'est la même. L'énergie absorbée et l'énergie émise ont une même valeur. Donc, les spectres se font à la même longueur d'onde. C'est la longueur d'onde caractéristique du sodium. Tout simplement. Donc, j'espère que c'est clair jusque-là. Si vous avez des questions, je vois qu'il n'y a rien. Donc, je vais continuer. Alors, effet de la température sur un élément donné. Donc, existence, il existe des états d'énergie parfaitement définis pour tout atome et qui dépendent de sa configuration électronique. Il existe plusieurs états d'énergie parfaitement définis pour tout atome, c'est-à-dire chaque atome je répète l'émission de flamme. D'accord. Alors, l'émission de flamme, c'est la deuxième. L'émission de flamme, vous avez une lampe qui est éteinte. Vous avez la flamme sur laquelle est vaporisé le sodium qui va produire donc, le nuage atomique. D'accord? Donc, le nuage atomique produit sur la flamme va absorber l'énergie dans la flamme. La flamme, c'est un feu, nar. Donc, nar hadika, elle va produire de l'énergie qu'elle va donner aux atomes vaporisés à l'air. Donc, les atomes, les électrons de ces atomes vont absorber l'énergie. L'émission de flamme, l'absorption. Non, je vais étudier l'énergie émise par les atomes lors du retour à l'état fondamental. C'est-à-dire que les électrons absorbent l'énergie, donc ils passent de l'état fondamental à l'état excité. Bad, il y a, parce que l'état excité est toujours instable. Donc, il y a un retour de l'état excité vers l'état fondamental. Lors du retour à l'état fondamental, il y a émission de l'énergie. En général, la quantité absorbée, elle est émise. Les électrons vont l'éliminer, ils vont la perdre. D'accord? Donc, l'émission, la quantité émise, par un spectre, un spectre de raie d'émission. Qu'est-ce qu'il fait? Il se présente comment? Il se présente par un fond noir avec des raies lumineuses. Donc, comme le schéma suivant. Donc, vous avez spectre d'émission. Ah, un fond noir. Pourquoi? Parce que le fond noir correspond à, une lampe, à la lampe qui est éteinte. C'est ma mustamiltèche, la lampe. Et la petite raie Hedy correspond à l'énergie émise lors du retour à l'état fondamental des électrons dans les atomes étudiés. Normalement, c'est clair. Donc, vous remarquez, je répète que vous remarquez que la longueur d'onde d'absorption et la longueur d'onde d'émission, c'est la même. Alors, Hedy Kaigoul, ce sont des raies caractéristiques. Alors, Hedy Yabad, l'existence d'états d'énergie parfaitement définis pour tout atome. C'est-à-dire que l'énergie absorbée ou la émise, elle est toujours la même pour un même atome et elle est caractéristique de l'atome Hedy. Par exemple, le sodium, c'est 589 nanomètres. Donc, l'énergie absorbée correspond à la longueur d'onde Hedy. Et elle est caractéristique de cet atome-là. C'est-à-dire qu'Igoulena, elle est caractéristique. Comme pour l'infrarouge, la SAA et la SEA peuvent permettre une identification. Je peux, à partir du spectre obtenu, chauffer les différentes longueurs d'onde, je peux identifier l'atome qui a absorbé l'énergie hédique. D'accord? Ça peut permettre une identification. Donc, le tout va dépendre de la configuration électronique. D'accord? Alors, l'énergie, c'est l'élévation de la température ou une irradiation avec une source lumineuse. Élévation de la température, c'est-à-dire un chauffage, c'est-à-dire l'utilisation de la flamme. Irradiation avec une source lumineuse, c'est-à-dire l'utilisation de la lampe. Donc, l'énergie, elle peut être soit par chauffage, soit par la lampe.
Donc, le tout se fait dans le proche UV visible, c'est-à-dire de 400, plutôt de 200 à 800 nanomètres à peu près. L'UV, c'est 200 à 400. Le visible, c'est 400 à 800 nanomètres. D'accord? Donc, elle ressemble, chouïa, la hatkoun chepa, la spectroscopie UV visible, les chouftis ou akbel. D'accord? Donc, vous avez là un petit schéma. Inatelkom, le passage de l'état fondamental à l'état excité. Et ensuite, le retour de l'état excité à l'état fondamental qui se fait par l'émission d'énergie à différentes longueurs d'onde. Longueurs d'onde 1, 2 et 3. Ces longueurs d'onde, elles sont caractéristiques. Alors, s'il vous plaît, je reviens tout de suite. 2 minutes et je reviens. Voilà, Samhoni, je suis de retour. Donc, alors, compte tenu, parce que Gunna, les énergies utilisées, ce sont des énergies qui correspondent à l'UV visible. En général, comme je dis, j'ai fait des généralités sur l'état spectral. Je dis, vous voyez, les énergies l'UV visible sont des énergies élevées. Donc, étant des énergies élevées, elles vont s'intéresser à la transition électronique, c'est-à-dire qu'elles vont être absorbées par les électrons de la couche périphérique. D'accord? Donc, compte tenu des énergies mises en jeu, quelques électrons volts, elles sont assez importantes, ce sont les transitions électroniques qui sont impliquées. Et ce sont celles qui correspondent aux électrons périphériques des atomes. Donc, ce sont les électrons de la dernière couche, donc des niveaux périphériques, qui vont absorber ou bien émettre l'énergie. Donc, c'est les électrons de la dernière couche qui vont nous intéresser. Donc, elles correspondent au passage d'un électron d'une sous-couche non remplie à une sous-couche inoccupée d'énergie supérieure, tout simplement. Donc, l'absorption, Kimangolo, c'est le passage de l'état fondamental à l'état excité, c'est-à-dire la couche non remplie, c'est la dernière en général, vers une couche d'état d'énergie supérieure. Elle est inoccupée. Généralement, on m'affiche des électrons. Il y a de l'absorption et ensuite vous avez le retour à l'état fondamental. Alors, le principe, l'échantillon est porté à une température de plusieurs milliers de degrés dans une flamme ou dans un four en graphite. On obtient ainsi un gaz d'atomes libres. C'est-à-dire la flamme qu'on a nahdrouleha. La flamme qu'on a nahdrouleha, ça peut être une flamme. Ça va faire un combustible et un comburant. On va le voir après. Ou bien un four en graphite qui va permettre le chauffage. El Mohim, on va porter l'échantillon thermique à des températures de plusieurs milliers, 2000, 3000, 4000, etc., selon l'atome étudié. Donc, on obtient, grâce à cette flamme, on obtient ce qu'on appelle un gaz d'atomes libres. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des atomes condensés, on va les libérer, on va avoir une vapeur d'atomes. OK? Donc, l'énergie absorbée, plutôt l'énergie produite dans ce cas-là, elle est égale à KB fois la température. Bien sûr, T, c'est la température de chauffage. KB, c'est ce qu'on appelle la constante de Boltzmann. On va la voir en bas. La constante de Boltzmann. Il y a l'énergie donnée par la flamme. Dans ce cas-là, lorsque je vais lui ajouter une source lumineuse, les atomes vont absorber de l'énergie. Une partie des atomes va se trouver à l'état excité, et l'autre va rester à l'état fondamental. C'est-à-dire que tous les atomes n'absorbent pas l'énergie. Seule une partie des atomes va passer à l'état excité. Où la loi de Boltzmann permet de calculer pour chaque transition le rapport nombre d'atomes excités sur nombre d'atomes initiales.
J'espère que c'est clair. Et là, je répète. Donc, un air, ce que j'ai, c'est une flamme. Ou là, un four en graphite. L'un des deux va me permettre d'obtenir ce qu'on appelle un ensemble de gaz d'atomes libres, une vapeur d'atomes libres. D'accord? Donc, est parti. Les atomes, ils seront soumis à une lumière blanche, donc à la lampe. La lampe va leur apporter une certaine quantité d'énergie. La quantité d'énergie va faire que les atomes vont passer de l'état fondamental à l'état excité. Bossage. Tous les atomes ne passent pas de l'état fondamental à l'état excité. Seule une partie de ces atomes va être excitée. La loi de Boltzmann permet de calculer le rapport nombre d'atomes excités sur nombre d'atomes initial. C'est la loi de Boltzmann. C'est NE sur N0, elle est égale à G fois exponentielle moins delta E sur K fois T. Où K, c'est la constante de Boltzmann. Elle est égale à 1,38 fois 10 moins 23 joules sur degré Kelvin. T, c'est la température de chauffage de la flamme. Delta E, c'est la différence d'énergie entre le niveau excité et le niveau fondamental. D'accord? G, c'est un nombre entier qui dépend de chaque élément et de ses nombres quantiques. Nombre entier qui dépend de chaque élément et de ses nombres quantiques. C'est-à-dire, selon l'atome étudié, G va varier, puisque G va dépendre des nombres quantiques de l'atome étudié. Donc, Heidi, la loi, elle permet de calculer NE, le nombre d'atomes excités, sur N0, le nombre d'atomes initiaux. Alors, en absorption atomique, la concentration est déduite de la mesure de l'absorption et de la lumière par les atomes de l'élément à l'état fondamental. Là, ce que je vous dis, c'est la concentration, puisque la FAA, SEA peuvent servir d'un côté à l'analyse quantitative, c'est-à-dire à la détermination d'une concentration, comme elles peuvent servir à l'identification, c'est-à-dire on peut déduire منها quel est l'atome qu'on a étudié. J'ai mis un échantillon inconnu, la FAA, SEA, je peux déterminer quel est l'atome grâce aux longueurs d'onde absorbées ou la émise. Alors, pour ce qui est de l'analyse quantitative, en absorption atomique, la concentration peut être calculée grâce à quoi? Grâce à la quantité de lumière absorbée par les atomes. Qui m'a fait la loi de Birlanger? On va le voir après. La loi de Birlanger, l'absorption est égale à E epsilon fois L fois C. Donc, il y a une proportionnalité entre la concentration en atomes et entre la quantité absorbée, tout simplement. En émission de flamme, au contraire, l'émission de flamme, on mesure l'intensité émise par les atomes qui passent de l'état excité à l'état fondamental. Donc, l'émission de flamme, c'est l'axe. Je ne calcule pas, je ne détermine pas la concentration à partir de la quantité absorbée, mais à partir de la quantité d'énergie émise par les atomes. Alors, la mesure d'intensité est faite à une longueur d'onde spécifique de l'élément analysé. Donc, qui m'a fait l'UV visible, shifty ou belly? À chaque fois qu'on fait une mesure, c'est à l'absorbance, on la fait à une certaine longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la longueur d'onde maximum d'absorption. C'est la même chose ici. La longueur d'onde, elle est spécifique de l'atome étudié. Par exemple, le sodium, parce que c'est le plus simple, le sodium absorbe à 589 nanomètres, donc l'absorption stéréo, elle est étudiée à cette longueur d'onde-là. Tout simplement. Alors, les spectres d'absorption sont plus simples que les spectres d'émission. C'est une caractéristique. L'absorption est plus simple. Donc, en général, on préfère utiliser la FAA à la SEA. Sauf que sur la SAA, il y a certaines interférences. En général, ce sont des effets matrices. Effets matrices, c'est-à-dire que la matrice, les éléments, les dairines, les atomes, eux aussi, ils absorbent une certaine quantité d'énergie. D'accord? Donc, l'absorbance d'Ahmzid à l'absorbance de l'échantillon étudié. C'est de Roma l'interférence. En général, pour pallier à ça, on utilise un blanc. Donc, on élimine l'effet matrice, on chauffe l'absorbance de la matrice. On fait l'analyse d'Anahna. OK? Normalement, quand je suis TP, tu as l'UV visible, ce qu'il fait, on élimine. C'est-à-dire toujours un blanc. On élimine l'absorbance d'Ahmzid et on détermine l'absorbance de l'échantillon d'Anahna. OK? Alors, l'émission de flammes est préférable pour 5 à 6 éléments. Les métaux alcalins donnent des flammes colorées. Donc,
l'émission de, en général, on préfère la FAA. Dans certains cas, on utilise la, l'émission de flamme. En général, c'est pour 5 à 6 éléments qui donnent des flammes colorées. Des flammes colorées, par exemple, le, c'est un exemple. Par exemple, le mercure, il y a une coloration, une flamme rouge. Dans ce cas-là, je peux identifier directement le mercure. Gel, c'est le mercure. Hedi, d'un côté, c'est les flammes. Et d'un autre côté, c'est les raies émises. Donc, la coloration des raies émises et leur longueur d'onde permettent d'identifier les différents éléments. Ça va jusque-là? Ça va? Très bien. Alors, le mode d'absorption atomique. Donc, on va voir mode par mode. Le mode d'absorption atomique. C'est un schéma simplifié. T'as l'absorption atomique. Vous avez une lampe, vous avez une flamme, le monochromateur et le détecteur. Donc, c'est la lampe. C'est la flamme. C'est le monochromateur. Et là, pour finir, c'est le détecteur. D'accord? Donc, la lampe, elle sert à donner de l'énergie. La flamme, elle sert à produire le nuage atomique. Le monochromateur sert à sélectionner une seule longueur d'onde. Et les détecteurs servent à la lecture. Donc, le faisceau lumineux issu de la source 1, c'est-à-dire de la lampe, traverse la flamme dans laquelle se trouve l'élément étudié qui est porté à l'état atomique avant d'être focalisé sur la fente d'entrée d'un monochromateur. D'accord? Le monochromateur va sélectionner un intervalle très étroit de longueur d'onde. Là, je détermine la longueur d'onde d'étude. Je règle la parité à cette longueur d'onde-là et c'est le monochromateur qui va la sélectionner. Le trajet optique se termine sur la fenêtre d'entrée du détecteur. Tout simple. Normalement, ça va. Et là, c'est pour l'appareillage. Alors, le principe de l'analyse quantitative consiste à déterminer l'intensité incidente. Bon, l'intensité incidente, elle est connue. Et l'intensité transmise, c'est-à-dire après absorption par l'échantillon. La transmittance, elle est égale à I sur I0, c'est-à-dire quelle est la quantité, l'intensité qui a été transmise après absorption par l'échantillon et quelle est l'intensité initiale. On fait le rapport, on détermine la transmittance. Par exemple, il y a l'échantillon T, il absorbe 1%. La quantité initiale, c'est 100%. L'échantillon absorbe 1%, c'est-à-dire que la quantité qui est transmise, c'est la différence, c'est 99%. Donc, la transmittance, c'est 99 sur 100. C'est 0,99. Le pourcentage d'absorption, c'est 100 fois la transmittance, tout simplement. Et donc, normalement, je fais, on fait généralité sur les méthodes spectrales. Vous avez à côté le pourcentage de transmission et l'absorbance. L'absorbance, elle est égale à log I0 sur I. I0 sur I. I0 sur I. C'est l'inverse de la transmittance. Donc, je peux écrire la relation Hedy autrement. A est égal à log 1 sur T, 1 sur la transmittance, l'inverse de la transmittance. Hedy, c'est la loi de Beer-Lambert, c'est pour l'analyse quantitative. L'absorbance, elle est égale à K fois L fois C, ou, qui marque la spectro UV visible, l'absorbance, elle est égale à epsilon fois L fois C. C'est la même chose. L'erna epsilon, elle est remplacée par K, et K, c'est le coefficient d'absorption. Il est constant pour une espèce absorbante et une transition donnée. Donc, pour une même espèce et pour une longueur d'onde donnée, K est constant. L, c'est la longueur du trajet optique. Dans le cas de la FAA et de la SEA, c'est là où se trouve l'espèce, c'est-à-dire la flamme ou le four en graphite. Donc, l'échantillon T, photo direct, soit sur la flamme, soit le four en graphite. C'est le trajet optique. C, c'est la concentration de l'espèce. Donc, c'est toujours la loi de Beer-Lambert et vous voyez qu'il y a une proportionnalité entre la concentration et l'absorbance. Plus il y a absorbance, plus les atomes sont concentrés dans l'échantillon. Alors, en mode d'émission de flamme, la caractéristique principale de l'émission de flamme, c'est l'absence de source lumineuse. Du coup, la différence entre absorption atomique et émission atomique directe, il n'y a pas de source lumineuse sur l'émission de flamme. D'accord? Vous savez pourquoi? Parce que l'émission de flamme, je ne vais pas étudier l'absorption. Je vais étudier l'émission produite par les atomes internes. Donc, on s'intéresse au spectre d'émission des atomes à l'état excité qui retourne à l'état fondamental
L'émission est principalement une méthode d'analyse quantitative. D'accord? Donc, vous avez un schéma simplifié. Comme la flamme, monochromateur et détecteur, il n'y a pas de lampe. C'est la différence entre l'absorption et l'émission de flamme. Alors, l'émission de lumière pour un élément est proportionnelle au nombre d'atomes qui retournent à l'état fondamental par unité de temps. C'est-à-dire que plus il y a d'atomes qui retournent à l'état fondamental, plus l'intensité émise, elle est importante. Donc, c'est le nombre d'atomes qui reviennent à l'état fondamental par unité de temps. Head, c'est l'intensité émise. Plus le rapport head est ici, plus l'intensité émise, elle est importante. Donc, à côté de ça, vous savez que, logiquement, le nombre d'éléments qui retournent à l'état fondamental, donc delta N sur delta T, il est proportionnel au nombre d'atomes de l'espèce considérée dans la flamme. C'est-à-dire, plus il y a d'atomes dans la flamme, là dans l'échantillon, plus le nombre d'éléments qui retournent à l'état fondamental est important et plus l'intensité émise, elle est importante. Donc, pour résumer, plus la concentration est élevée, plus l'intensité émise est élevée. Donc, c'est toujours la loi de Beer-Lambert. L'intensité émise est égale à K fois C. K dépend toujours de la longueur d'onde et de l'atome étudié. C, c'est la concentration. Et H, c'est l'intensité émise par les atomes qui retournent à l'état fondamental. Maintenant, juste, on a remplacé l'absorption par l'intensité émise. La proportionnalité entre I et C n'est valable que pour de faibles concentrations. C'est-à-dire que si l'échantillon est très concentré, la proportionnalité existe. D'accord? Donc, il faut diluer l'échantillon et il faut refaire l'analyse. Tout simplement. Alors, l'appareillage en absorption atomique, Kimagona, premièrement la source lumineuse, deuxièmement la flamme, et troisièmement monochromateur et détecteur. Donc, on va voir wahed bwahed. On va commencer par la source de lumière. Maintenant, les lampes à cathode creuse. Donc, elle consiste en une application d'une tension électrique entre l'anode et la cathode. Alors, je vais vous montrer directement le schéma, c'est plus simple. C'est la lampe à cathode creuse. La lampe à cathode creuse fait une cathode, comme son nom l'indique. Donc, en plus, il y a ce qu'on appelle un gaz de remplissage. Dans ce cas-là, c'est le néon. Alors, le gaz de remplissage, ça peut être néon ou l'argon. Ça peut être les deux. Donc, l'échantillon terrien, ce que je fais, c'est que je vais appliquer une tension électrique sur la lampe terrienne. Le néon va absorber l'énergie émise par l'électricité hédique. L'électricité ligéto, il va l'absorber. Donc, il va s'ioniser. Donc, le néon, Ken, à l'état atomique, il va s'ioniser. Lorsqu'il va s'ioniser, il va être excité. D'accord? Quand il va être excité, il va entrer en contact avec les atomes de l'échantillon d'un atome de métal. Les atomes de l'échantillon d'un. D'accord? Donc, head excité, il va entrer, il va y avoir un choc entre le néon, le cation, et l'échantillon ternaire. Le choc va faire que les atomes de métal vont passer de l'état fondamental à l'état excité. Est-ce que c'est clair ou là je répète? Pour la lampe à cathode creuse, est-ce que c'est clair ou là je répète? Alors, la lampe à cathode creuse, vous avez une cathode. Sur la cathode se trouve l'atome métallique à analyser. C'est l'atome que je vais analyser, Heda en gris. Vous avez un gaz de remplissage. Le gaz de remplissage, ça peut être le néon ou l'argon. À la base, le néon ou l'argon se trouve et ils sont neutres. Ils sont chargés. Lorsque un néon, je branche sur de l'électricité. L'électricité va faire que le néon va se ioniser. Il va passer à l'état cation. Donc, il va être accéléré vers la cathode. Puisque la cathode, elle est chargée négativement, ou elle est chargée positivement, ou elle est chargée. Le plus, il va vers le moins.
Donc, il va aller vers la cathode. Qui est la cathode, juste dans le métal, l'atome métallique que je vais étudier. Le choc entre les deux va faire que l'élément étudié va passer de l'état fondamental à l'état excité. Donc, vous avez atome de métal excité. Donc, là, il y a l'énergie, c'est l'énergie due au choc entre le cation de néon et l'atome étudié. Normalement, c'est clair. Elle est à la lampe à cathode creuse. Alors, application d'une tension. Alors, il y a une application d'une tension électrique entre l'anode et la cathode. Quelques atomes du gaz neutre de remplissage sont ionisés et accélérés vers la cathode. Les atomes métalliques de la cathode sont arrachés et pulvérisés. Les chocs avec les ions argon ou néon, qui sont les gaz de remplissage, vont ensuite porter les atomes métalliques à un état excité et le retour à l'état fondamental s'accompagne d'émission d'énergie. C'est la phase d'émission. Normalement, c'est clair. Donc, c'est pour la première source lumineuse. La deuxième source lumineuse, ce sont les lampes à décharge. Les lampes à décharge, l'excitation ou la vaporisation et l'excitation est obtenue grâce à un champ de radiofréquence. C'est-à-dire qu'il suffit d'appliquer un champ de radiofréquence à une certaine valeur pour qu'il y ait vaporisation et excitation des atomes étudiés. Elle est utilisable lorsqu'il n'y a pas de lampe à cathode creuse pour un élément particulier. Donc, pour certains éléments, on ne peut pas utiliser la lampe à cathode creuse. Donc, on va utiliser la lampe à décharge. On trouve des lampes pour l'arsenic, le bismuth, le cadmium, le césium, etc. Donc, pour tous ces éléments-là, on peut trouver la lampe à décharge. D'accord? Donc, la lampe à décharge, elle est utilisée lorsqu'on ne peut pas utiliser la lampe à cathode creuse. Et elle est utilisée, donc l'excitation, elle est obtenue grâce à un champ de radiofréquence. Le dispositif thermique. Quand je dis dispositif thermique, c'est la flamme. Donc, vous avez deux types. On peut avoir l'atomisation, c'est-à-dire l'obtention des atomes, des vapeurs d'atomes, elle peut être obtenue par nébulisation dans une flamme. Nébulisation dans une flamme. Le brûleur est alimenté par un mélange gazeux combustible comburant qui produit une flamme. L'échantillon mis en solution aqueuse est aspiré et nébulisé dans ce mélange gazeux. C'est-à-dire que je vais avoir un mélange combustible comburant. Combustible, il y a ce qui brûle, c'est l'élément qui va brûler. Le comburant, c'est ce qui va aider le combustible à brûler. C'est un mélange des deux. Donc, le mélange des deux, dans le brûleur, et je vais nébuliser, c'est-à-dire je vais vaporiser l'échantillon TL qui se trouve en solution aqueuse. Donc, lorsqu'il est nébulisé dans le mélange combustible-comburant, le combustible comburant vont chauffer et vont produire ce qu'on appelle la vapeur d'atome, tout simplement. Donc, là, la base, c'est quoi? C'est l'utilisation d'un mélange combustible-comburant. Le deuxième dispositif thermique, c'est l'atomisation par électrothermie. Par électrothermie. Dans ce cas, l'atomisation est réalisée dans un four en graphite porté à haute température. Le graphite par four, c'est la mine, t'as le crayon, le noir, c'est du charbon, c'est à base de carbone. Donc, le four en graphite va permettre de chauffer les atomes à très haute température. Donc, l'échantillon, l'ernaïa, contrairement au mélange combustible-comburant, on préparait l'échantillon dans une solution aqueuse, je crois, hein, ici. Dans ce cas-là, l'échantillon peut être soit à l'état solide, soit à l'état liquide, et il est placé dans une nacelle. La nacelle, elle est à base de graphite. Le tube peut atteindre des températures avoisinant les 3000 degrés Kelvin. Donc, on peut avoir des températures très élevées grâce au four en graphite. Et le dispositif produit une plus forte intensité d'atomes, une plus forte densité d'atomes. Donc, ça permet de multiplier la sensibilité par 8. Le four en graphite permet une plus grande sensibilité. Pourquoi? Parce que le chauffage se fait à des températures très élevées. Donc, je vais avoir un nuage atomique plus important par rapport à celui obtenu par le mélange combustible-comburant. D'accord?
Donc, ça fait que tout ce qui utilise le forant graphite, ça permet une sensibilité plus élevée. Donc, l'ernagalec, elle peut être multipliée par 1000. Ensuite, donc on a vu la lampe, on a vu la flamme. On passe au monochromateur. Le monochromateur, c'est le même pour tous les appareillages en spectroscopie. Il permet de sélectionner une bande étroite de longueur d'onde au centre de laquelle se trouve l'arrêt d'absorption de travail. Donc, elle, il permet de sélectionner 500 nanomètres. Il permet de sélectionner 400 nanomètres. Kiman Habourna. Il est fabriqué à base de quoi? Ce sont plusieurs miroirs qui se suivent. Donc, c'est un réseau de miroirs. Ah, miroir 1, miroir 2, miroir 2, 3. Donc, les différents miroirs vont permettre de sélectionner une certaine longueur d'onde. Tout simplement. Alors, le détecteur, dans le domaine de longueur d'onde considérée, on utilise généralement un tube photomultiplicateur. Le détecteur, c'est en fait un tube photomultiplicateur. La détection, donc il y a détection des photons et un comptage individuel. C'est-à-dire que l'appareil, le détecteur, va détecter les photons qui n'ont pas été absorbés et il va les compter. Donc, il y a atteint que mon photon n'ont pas été absorbés. C'est-à-dire qu'il va me permettre de déterminer l'intensité incidente. Et à partir de là, on va calculer la transmittance et ensuite, on va calculer l'absorption. Donc, tout ça se fait automatiquement. Alors, on a fini avec l'appareillage. On va voir les interférences, le bruit de fond et les interférences. Et les interférences, en général, on les retrouve les fours en graphite. Alors, avec des appareils à brûleur, c'est-à-dire qui utilisent combustible comburant, le bruit de fond est en général peu important, car on nébulise des solutions aqueuses diluées. Mais avec les fours en graphite ou en bonne, on peut utiliser des solutions concentrées ou là, des solides. L'atomisation peut être incomplète due à la matrice et elle peut engendrer une absorbance, une absorption parasite. Aide le bruit de fond ou les interférences, mais il sera où je dis. Il sera lorsque l'échantillon il est concentré. D'accord? Lorsque l'échantillon est très concentré, l'atomisation est incomplète. Manaha, tous les atomes n'arrivent pas à être crégolo. Ils n'arrivent pas à se transformer en vapeur de gaz. D'accord? Et à côté de ça, vous avez le four en graphite. Le four en graphite, gulna huabad, il est à base de carbone. Donc huabad, il peut absorber une certaine quantité d'énergie. Donc, je vais avoir l'absorption due à l'échantillon plus l'absorption due au carbone du four. Donc, c'est une absorption parasite. C'est un problème. C'est une interférence. Lorsque les échantillons contiennent des particules en suspension, lorsque les ions sont difficilement réductibles, à l'état neutre, difficilement réductible, ou bien lorsqu'il s'agit de molécules organiques non brûlées par manque d'oxygène. Donc, les trois cas vont faire qu'il y ait une absorption parasite. Voilà, une atomisation incomplète et tenienne, une absorption parasite due au four en graphite. Toutes ces espèces présentent des bandes d'absorption plutôt que des réfiltes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un nuage d'atomes, je vais avoir une partie à l'état atomique et une partie qui n'a pas été nébulisée correctement. C'est-à-dire, mais elle, l'esprit fut bardam. On dirait que ce sont des molécules. Donc, une partie, l'artenténie des raies et une partie, l'artenténie des bandes d'absorption. C'est une interférence. En général, ce qu'on fait pour ces échantillons, on doit les préparer correctement. Donc, on va, par exemple, pour les particules en suspension, au lieu d'avoir une suspension, j'essayerai de changer de solvant pour faire que l'échantillon taille se solubilise. Donc, tu veux dire une solution claire, pas une suspension. Ça, c'est un exemple. D'accord? Alors, les interférences spectrales. Les fours en graphite portés à très haute température émettent un rayonnement thermique qui s'ajoute à celui de la lampe. Il se peut qu'il y ait... Alors, les fours en graphite portés à très haute température émettent un rayonnement thermique qui s'ajoute à celui de la lampe. C'est-à-dire,
Très lourd, c'est du charbon. Pardon. Alors, vous ne m'entendez pas bien, c'est ça? Alors. C'est bon. Alors, les fours en graphite, Gona, ils sont à base de charbon, de carbone. Lorsqu'ils sont chauffés à très haute température, très haute température, le charbon est donc, une source lumineuse. C'est-à-dire que je vais avoir la source lumineuse à la lampe plus la source lumineuse due au chauffage du graphite. Donc, au lieu d'avoir une seule source d'énergie, je vais avoir deux sources d'énergie. Mais dans ce cas-là, il est difficile pour le monochromateur de sélectionner une seule longueur d'onde. Donc, au lieu d'avoir une seule longueur d'onde, je vais avoir deux ou la trois longueurs d'onde, plusieurs longueurs d'onde. C'est une interférence spectrale. Il se peut aussi qu'il y ait superposition de deux radiations, celle que l'on a choisie pour l'analyse, et une raie secondaire d'un autre élément. C'est un élément lorsque l'échantillon n'est pas pur, puis les atomes étudiés, plus d'autres impuretés. Je vais avoir l'absorbance du élément à analyser, plus d'autres raies. C'est des raies parasites. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il est conseillé d'effectuer des mesures à une autre longueur d'onde. C'est-à-dire, l'élément le flène, il absorbe à deux longueurs d'onde, 320 nanomètres et 450 nanomètres. Maintenant, je l'analyse à 320 nanomètres. Pas de là parce que je vais avoir une absorbance parasite. On amène à 320, on amène à 450, ça permet de confirmer. Les deux résultats vont être comparés et ça va me permettre de confirmer les résultats derrière. D'accord? La deuxième source, c'est la première phrase. La deuxième source d'énergie, le four en graphite. Le four en graphite, c'est du charbon. D'accord? C'est à base de carbone, donc c'est du charbon. Le four en graphite, il va être chauffé à des températures très élevées. Logiquement, si c'est du charbon, lorsque je le chauffe à des températures très élevées, qui t'a le choix? Le charbon, en quelque sorte une source lumineuse. Vous aurez de la lumière produite par la lampe et vous avez la lumière produite par le chauffage du four en graphite. D'où vient la deuxième source lumineuse? Ça, c'est le premier cas. C'est une interférence. La deuxième interférence, c'est lorsque l'échantillon est impur. Lorsque l'échantillon est impur, maintenant, je vais avoir le composé à analyser plus un autre composé qui est une impureté. Dans ce cas-là, vous allez avoir l'absorbance de l'ouboulou. Donc, vous allez avoir des raies parasites. D'accord? Donc, demain, au lieu d'avoir, lorsque l'échantillon est pur, au lieu d'avoir une absorbance égale à 1, vous aurez une absorbance égale à 1,5. 0,5, c'est dû à quoi? C'est dû à l'impureté. Donc, pour pallier à ce problème, qu'est-ce que je fais? Je n'utilise pas une seule longueur d'onde pour l'analyse, j'utilise minimum 2. Par exemple, un bel élément analysé peut absorber à 320 et il peut absorber à 450. Donc, je fais l'analyse une première fois à 320, je fais les résultats. Je fais une analyse une deuxième fois à 450, je compare les deux résultats et ça me permet de confirmer ou d'être sûr de la concentration de l'échantillon ou de l'identification de l'échantillon tel. J'espère que les interférences sont plus claires. Alors, superposition de l'absorption et de l'émission d'un même élément. Radicalité, c'est une interférence spectrale. Lors de l'absorption atomique. Donc, aux températures de travail, une petite partie des atomes sont dans un état excité. Donc, je chauffe, plus la lampe. Donc, je vais avoir passage des électrons de l'état fondamental à l'état excité. D'accord? Elle ne se fait pas en même temps. C'est-à-dire des éléments qui sont passés déjà à l'état excité, ou à l'état excité. Les éléments qui sont déjà passés à l'état excité reviennent à l'état fondamental. Et à côté de ça, comme les retardataires et tout ça qui passent à l'état excité. Vous allez avoir en même temps absorption et en même temps émission de l'énergie.
هذه هي la superposition de l'absorption et de l'émission de l'émission. Est-ce que c'est clair pour la superposition? Du coup, c'est des interférences. Hein? Donc, aux températures de travail, une partie des atomes sont dans un état excité. En revenant à l'état fondamental, ils peuvent émettre des photons dont l'énergie correspond précisément à la longueur d'onde de travail. Donc, je vais avoir absorption et en même temps émission des mêmes éléments. OK? Alors, les grandeurs caractéristiques pour la SA et SEA, la première grandeur, ce sont les grandeurs les plus importantes. La première grandeur, c'est la sensibilité. En SAA, la sensibilité est définie comme étant la concentration caractéristique, c'est-à-dire la concentration exprimée en milligrammes par litre qui conduit à une absorbance de 1%, c'est-à-dire à une absorbance de 0,0044. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends la sensibilité, ça concerne l'appareil d'air. Quelle est la concentration minimale que peut détecter l'appareil d'air? Plus la concentration qu'il peut détecter est faible, plus l'appareil est dit sensible. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un échantillon étalon, je prends un étalon, c'est un composé connu. Je vais le préparer à une certaine concentration. Donc, je le prépare à une concentration et je vais étudier son absorption. Je vais calculer son absorbance, l'absorbance d'air, l'appareil d'air. Donc, la concentration va correspondre à une certaine absorbance. Par définition, la sensibilité, c'est la concentration qui me donne une absorbance de 0,044. Donc, je vais, par la règle de 3, quelle est la concentration qui me donne une absorbance de 0,044? Donc, par la règle de 3, je vais avoir la sensibilité qui est égale à la concentration étalon fois 0,044 sur l'absorbance mesurée, l'absorbance de l'étalon. Donc, je peux calculer la sensibilité de l'appareil d'air. Donc, je vais avoir, par exemple, un appareil sensible à une concentration de 1 mg par litre. Un autre appareil sensible à une concentration de 2 mg par litre. Wahdokhor sensible à une concentration de 0,1 mg par litre. Logiquement, le plus sensible, c'est celui qui a la sensibilité la plus faible. C'est-à-dire, dans ce cas-là, 0,1 mg par litre. Elle dit la sensibilité. À côté, vous avez la limite de détection. La limite de détection, c'est la plus petite concentration mesurable pour un élément. C'est la plus petite concentration mesurable pour un élément. Elle dépend de la sensibilité, mais également de la stabilité du signal d'absorbance. La limite de détection est définie par l'IUPAC, c'est-à-dire la Société de chimie, comme la concentration qui donne une absorbance trois fois supérieure au bruit de fond de la ligne de base. On a sans analyse. Où je fais la limite de détection? C'est la plus petite concentration que l'appareil peut détecter. D'accord? Qui fait un achetboire? J'ai l'appareil derrière. Je le fais marcher à vide. On a sans échantillon, sans rien. Et je vois le signal qu'il va produire. Il va me produire une certaine absorbance. C'est-à-dire que l'absorbance, elle est due à la ligne de base, c'est-à-dire l'absorption due à l'appareil qui nous chiffre le vide. Cette absorbance, elle dit que l'absorbance terre, elle est égale à 1, à l'appareil Wahdi. Donc, la limite de détection, c'est trois fois supérieure au bruit de la ligne de base, c'est-à-dire trois fois l'absorbance de l'appareil. Si l'absorbance de l'appareil est égale à 1, 3 fois l'absorbance de l'appareil, c'est l'absorbance est égale à 3. Donc, quelle est la concentration qui me produit une absorbance de 3? Quand je calcule l'absorbance, la concentration qui me donne une absorbance égale à 3, c'est la limite de détection. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, le dosage en absorption atomique et en émission de flamme. L'absorption, donc en pratique, donc on va déterminer une courbe d'étalonnage avec une gamme étalon.
Pour les concentrations faibles, quelques milligrammes par litre, la loi de Muhlenberg est suivie. En revanche, on procédera à des dilutions suffisantes pour travailler dans le domaine linéaire ou quasi-linéaire. Elle dit, c'est la même chose que l'UV visible. Normalement, comme d'habitude, le TP, tu as la spectro-UV visible. Vous avez tracé une courbe d'étalonnage grâce à un étalon. Donc, vous avez tracé une courbe d'étalonnage. Ah, la courbe d'étalonnage, pardon. Ah, absorbance en fonction de la concentration. Donc, plus il y a l'étalon, chauffez l'absorbance d'Aha. Vous avez tracé la courbe d'étalonnage. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez déterminé l'absorbance de l'échantillon depuis une extrapolation. Vous avez déterminé la concentration de l'échantillon terme. Et il y a l'analyse quantitative, tout simplement. Vous m'entendez, Haïd, apparemment, il se met, Haïd, non. Parce que Haïd, ils m'entendent, hein. Donc, je sais pas. Donc, je vais répéter. Donc, vous avez, qui m'a FTP, t'as l'UV visible, vous avez préparé une gamme d'étalonnage, vous avez étudié l'absorption, l'absorbance d'air, vous avez tracé une courbe absorbance en fonction de la concentration. Bad, vous avez pris votre échantillon, vous avez mesuré son absorbance. Bad, par extrapolation, vous allez déterminer sa concentration. Alors, lorsqu'il s'agit d'une solution diluée, donc de quelques milligrammes par litre, on va se retrouver dans la partie linéaire de la loi de Birlanger. Donc, le résultat est refait. Mais lorsqu'il s'agit de solutions concentrées et que je me retrouve, donc je vais avoir des absorbances très élevées. Donc, là, je vais sortir de la partie linéaire, je vais me retrouver sur la partie courbe. Là, le résultat est râle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diluer l'échantillon, diluer de telle sorte que je me retrouve sur la partie linéaire. Je vais procéder à mon extrapolation. J'ai une certaine concentration. Bah, je multiplie par l'indice de dilution que j'ai utilisé. J'ai dilué au 1,5. Je multiplie par 2. Je vais avoir la concentration initiale. Pour l'analyse quantitative. Alors, en émission, c'est en absorption, hein, en émission de flamme, c'est l'inverse. On ne va pas étudier la quantité absorbée, on va étudier la quantité émise. Donc, l'intensité émise est proportionnelle à la concentration de l'analyse. Et toujours, elle est valable pour de faibles concentrations et en absence de toute auto-absorption ou d'ionisation. C'est-à-dire que l'élément ne doit pas auto-absorber, mais il émet l'énergie et il absorbe en même temps. C'est-à-dire l'auto-absorption et en absence d'ionisation. C'est-à-dire que l'élément ne doit pas être à l'état ionisé. Donc, dans ce cas-là, je suis sûre que l'intensité est proportionnelle à la concentration d'analyte. Et de la même manière, on va établir une droite d'étalonnage avec une gamme d'étalon et on va procéder à l'extrapolation, comme pour l'absorption atomique. Donc, la dernière chose, le tableau suivant regroupe les éléments qu'on peut doser par SA et SEA. Donc, là, c'est le tableau périodique. Vous avez tous les éléments qu'on peut analyser par SA et SEA. Alors, vous avez tout ce qui est sur une case rose, donc en blanc, dans une case rose, qui m'a l'hydrogène, qui m'a le carbone, qui m'a l'azote, qui m'a l'oxygène, etc. Tous ces éléments-là ne peuvent pas être dosés par SAA, SEA. C'est impossible. OK? Tous les autres éléments, REDO, ils peuvent être dosés par SAA, SEA. Qui m'a le bismuth, qui m'a le lithium, sodium, magnésium, calcium, fer, etc. Toute cette partie-là peut être dosée par SAA, SEA. C'est-à-dire à Wilhelm. Vous voyez la différence. Par exemple, le potassium, c'est en noir, le calcium, c'est en rose. La différence, c'est le mélange combustible-comburant utilisé. Pour le potassium, on utilise une flamme contenant de l'air et de l'acétylène. Pour le calcium, on utilise une flamme contenant le peroxyde d'azote et l'acétylène. Tout simplement. C'est la lecture du tableau. Alors, j'espère que le cours est clair. J'espère que j'ai au moins un tout petit peu. Normalement, c'est simple, la SAA et la SEA.
Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon courage. ربي يحفظكم. أوفا، على خير، بينتو.